Salut à tous. Nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. Est-ce qu'on va décoller? Est-ce qu'on va faire des choses intéressantes ou est-ce qu'on va continuer à errer, à se faire chier? Bon, on a fait plus de trucs là, c'est quand même. Voilà. On s'est fait arnaquer au niveau de l'argent. Est-ce que c'est faisable au moins d'aller à cette cascade ou est-ce que c'est vraiment impossible? Niveau endurance, c'est vraiment pas ouf, hein. C'est la distance plus que l'altitude. L'altitude, je pense que c'était bon, ça passait. C'est vraiment l'endurance le problème. Après, j'y allais pas directement dessus, donc ça a dû jouer quand même. Ouais, putain, ça a l'air chaud au niveau de l'altitude aussi, quoi. Ah là là. Eh bah ville, allez. Putain, nom de Dieu. Abusé. Il a fait un plat. Trop bizarre. Ah, c'est la plus proche, important, hein. Attends, c'est... La tour, c'est peut-être pas assez haut. C'est peut-être pas assez près. On va regarder. Pourtant, ça m'avait l'air, hein. Ah non, la tour est plus proche. Sa mère. Juste pour aller là, quoi. Juste pour aller sur cette... Oh, non, ça fait chier, quoi. On s'emmerde, hein. Hein, on s'emmerde, hein. Ouais, bien sûr. Évidemment. Attends, mais... Il y avait un trésor ici et j'ai jamais été voir? Ah, faut sauver cette vidéo, là. Oh, c'est horrible. Horrible ce qui se passe. Ah. Le premier géoglyphe. Là, toi, incroyable. Oh, dis donc, partenaire, tu as fait fuir les petits oiseaux. Même en te faufilant sous la pluie, si tu continues comme ça, c'est le cœur des jeunes filles que tu vas faire fuir. Enfin, qu'importe, ces petites oiselles venaient juste de me rapporter une étrange rumeur. Je ne peux pas en parler à haute voix, mais il paraît que Dame Zelda aurait chevauché une bête. C'est géré d'une bête au croc acéré comme une montagne. C'est la première fois que les petites oiselles voyaient une créature si terrifiante. Pourtant, elle semblait obéir à son Altesse. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. J'ai du mal à croire qu'une telle créature existe vraiment, mais... S'il s'agit d'un monstre, cette histoire mérite encore mieux que la une de la gazette. Maintenant que j'y pense, il y a un client de ce relais qui parlait d'une créature non identifiée.
D'après les rumeurs que me rapportaient les oiseaux, beaucoup l'auraient aperçu dans la région subtropicale au sud. Le plus rapide, c'est d'aller enquêter dans les relais où se concernent les informations. Il s'agit d'un gondon. Mouah. Tu me remercieras après, hein. Comment tu as découvert ce qu'était la bête que chevauchait Dame Zelda? Ah, c'est un gondon, une créature d'un genre nouveau. Je me disais bien que ça sentait une odeur de fauve inconnue. Il m'en faut encore un peu plus pour pouvoir rédiger mon article. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me présenter cet éleveux? J'aimerais bien la voir la bête de mes yeux. C'est important d'avoir des informations précises, retournons-nous sur place. D'accord. Ça va, ça me va, parce que je sais de quoi on parle. Mais j'ai déjà été ici. Pourquoi c'est marqué? Attends. Je me souviens de cette grotte. Pas, hein. Je voulais juste ouvrir le coffre. 10 balles, super. Un lézard là, Dizio. Alors du coup. C'est l'entrée d'une autre grotte là. Enfin de la même grotte mais c'est une autre entrée. Du coup je suis plus du tout là où il y a la croix. À moins que la croix indique l'entrée de la grotte mais pas l'emplacement exact du trésor. Quand même.
Tout ça pour ça, cette grotte. Il y a peut-être pas grand chose, hein, mais. Ou alors j'ai déjà pris le trésor. Mais non, mais la croix est indiquée. La croix est sur la carte. C'est bien qu'il y a quelque chose. Eh ben non, on s'ennuie. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a la marque. En fait, je saurais pas dire si la marque disparaît quand on a le coffre ou pas, en fait. Mais normalement, oui, c'est ça. Et... normalement, une fois qu'on a trouvé le trésor, c'est bon. Mais là, il y a rien dans la grotte. J'ai l'impression de me mettre faire arnaquer encore. Ok, ouais, bon, on va au truc des gondons. C'était là, hein. Pas de sanctuaire à proximité. Oh, on va encore... ça va être encore le plaisir, hein. Faut aller à la forêt de Boras. J'ai fait tellement peu de sanctuaires, en fait. Mon maillage de sanctuaires ne me permet pas de me TP de manière aisée. Où j'ai envie à chaque fois. Bah là, on arrive dans le jeu où on fait... où on erre, en fait, parce que... comme les objets, il n'y a pas d'objectif précis, bah on trouve pas des choses sur notre route et donc on erre à plein d'endroits. Il y a cerisier ici pour un satori, mais le problème, c'est que c'est pas la région qu'on voulait. Je vais peut-être aller voir mon cheval plutôt. Hein. Puis ce cheval qui brille, qui me rend fou là. Ah, ça vraiment, ça m'a énervé. Hein. De pas trouver ce putain d'arbre qui brille avec ces lucioles là. Oh là là. Il y a des milliers d'arbres dans le jeu. Faut pas faire une quête comme ça. Enfin, c'est débile. Bon, après, c'est forcément dans un rayon limité, mais... je vais pas faire les arbres un par un. Il y en a beaucoup quand même. Taisez-vous, taisez-vous. Voilà. Évitez de la ramener. Ok. Le truc à l'arrière qui rebondit. Ah, catastrophe, quoi. Oui, c'est bon. Je vais pas à la Benne Martha. Yeah. Oh.
Oh. Mais bon, on s'est juste arrêté, quoi. Pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Allez. Les gondons. Qu'est-ce qu'il a peine avec les gondons? Quel drôle de créature. Il fait beau, j'espère que ça va durer. Tu te trouves dans la réserve des gondons, la nouvelle espèce découverte par la princesse Zelda. On a trouvé que 5 spécimens. T'inquiète pas, malgré leur appareil, ils sont très dociles. Nanana, ils sont doux et affectueux. Hé, hey, partenaire! Sapao! Tiens! Tiens. Je vois. Alors, c'est une des créatures rares que voici, la bête que chevauchait Dame Zelda. Et Dame Zelda en personne étudie ses gondons. Il faut avouer que c'est quand même terrible, les rumeurs. Les gondons sont très dociles, n'ont pas de crocs acérés et ils sont certainement pas aussi grands qu'une montagne. Nous autres, les vrais journalistes, nous devons faire très attention à ne pas publier de fausses informations. Ah, la petite leçon de... la petite éducation sur le travail journalistique et les fake news. Alors, faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 6 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. J'en attendais pas moins, partenaire. Bourget, tu as eu raison de croire en toi. Voilà ta paye. Merci. Ah, il faut vite que j'aille écrire mon article sur une vraie nature de cette créature. A plus, partenaire. Sapao. Eh bah super. Putain, j'ai envie de lui voler. Ah oui, c'est vrai qu'il mange ça. C'est vrai qu'il mange les pierres. Rien à foutre. Rien à foutre, c'est pour moi. Moi aussi, je les mange. Vas-y, je retourne chez Bourgette, là. J'ai envie de voir si c'est suffisant en termes d'enquête. Parce qu'elle me dit... Là, il vient de me dire, on récapitule, ça fait 6 enquêtes. Donc, a priori, c'est les 6 seules enquêtes sur Dame Zelda. Donc, on devrait y arriver. Elle va me filer la tenue, là. Ah, et du coup, elle vend plus le haut puisqu'il a déjà été. Je l'ai déjà trouvé. Ah, bonsoir. Il n'y a pas d'heure pour travailler, n'est-ce pas? Ah, tout se passe bien avec Pen? Tu as lui perdu de vue? Il devrait être en train d'enquêter au relais des Géminis. C'est dans l'ouest du Nucléda. On a reçu à la rédaction une lettre de revendication au sujet de Dame Zelda de la part du gang des Yiga. Ça me fait un choc, bien sûr, mais je me suis très vite dit que c'était peut-être du vent. Du coup, j'ai mon événement à aller voir de quoi il va retourner. Connasse! Et il en faut combien encore? Je vais pas passer tout le jeu, quoi! Il faut 200 heures pour avoir cette putain de tenue! Marre à la fin! On se fait chier! Bah, tant qu'on n'a pas fini le jeu, visiblement, on va se faire chier. Hein. Putain. Allez. Il y a des trucs là qu'on n'a pas trouvé? Ah oui, ça c'était le boomerang! Oh, c'était nul. C'est marrant, j'avais pas trouvé de... Pas trouvé de racine, ni là ni là. Ah bah là, c'est peut-être normal. Quoique. Je vais essayer d'explorer un peu les profondeurs ici, de trouver des racines, de trouver des choses. Ah là là.
Mais c'est chaud, il faut explorer tous les bras là, dans le moindre recoin, c'est. Oh là là, au secours! J'ai pas compris l'histoire des sources là, il faut amener l'eau, sauf que l'eau c'est dans des petites cuvettes, donc. Voilà l'affaire en termes de. D'écoulement. Il revient pas le Golemax? Une fois qu'il a été battu, il est battu. On peut pas le rebattre. C'est intéressant. Sérieux? Y a pas moyen de sortir? Ah si, il me semblait bien. On peut essayer d'aller par là et de trouver des racines, mais ça va être chaud, je pense. Tout le monde s'excite là. Quel bordel! Je ne peux rien faire, je me fais défoncer depuis tout à l'heure. Je m'en suis pris plein la tronche. Ils m'ont tous attaqué les uns après les autres. Alors. Waouh. Ah ouais, d'accord. Putain, elle était pas si loin. Hein. Y'a pas un truc genre par là? Ah, il y a un truc pour remonter. Ah, c'est intéressant. Vas-y, ça se tente. Je me demande où ça nous ramène. Peut-être la tour. Ça nous amène sur le mont Juglandis, où j'ai jamais été, hein. Bof, hein, le mont Juglandis, hein. Si j'allais là, ça serait intéressant, mais c'est hyper profond, il faudrait sans doute remonter tout ça. Ça se tente, hein, cela dit. Hein. Ça se tente.
On sait que Koga, il s'est terré dans les fins fonds de Hébra, la profondeur d'Hébra, donc. On est un peu dans le secteur. Émufature. Ah dommage, mon épée très puissante là est sur le point de se détruire. Après, en fait ce qui est chiant c'est qu'il faut trouver des golemax ultimes pour avoir ce genre de d'armes. Et là, il est évident que j'en ai plus. Ce qu'on a bien vu hein, dans les profondeurs des dalles qu'il n'y avait plus le golemax ultime. C'était assez plat pour se reposer, mais non. Il y a des drôles de bruits, hein. Des bruits de fond là. Ah, là voilà la racine. Parfait. Ok, je m'attendais pas à cet énorme trou.
that's why. Donc si on rebat ce truc... C'est pour ça que l'air est... L'air. Oui, la zone est si grande. On peut rebattre ce truc et avoir un coffre. Et c'est pareil, il y avait un endroit où on pouvait rebattre le truc des Gorons, là. Boss que j'ai détesté d'ailleurs. J'aimerais essayer de passer par ailleurs. Ouais, j'avoue, j'ai pas de plan précis dans ma tête parce que c'est un peu YOLO, c'est un peu exploration et c'est pas forcément... C'est très long en fait. C'est ça qui est pénible, mais comme j'aurais au moins envie de finir la quête de Koga avant de finir le jeu, ça serait cool quoi. Ouais, c'est par là que je veux aller, c'est parfait. Mais la chat ! Quel idiot ! Gars là, hein. Ouais, d'accord. Ok, il faudrait continuer dans ce sens-là. Et pour ça, il faut grimper ici. Donc je pense qu'il faut que je saisisse ce truc et que je monte là. On va se remettre ici. La petite technique hein, pour aller plus vite et cartographier toute cette zone. C'est de commencer haut. Hip.
Ah, ça mine là. Alors là, il y a un truc à... Artefact Sonao, donc est-ce qu'il y a de quoi construire des véhicules pratiques? Ou est-ce que ça va être chiant? Bon, enfin, c'est comme, comme toujours, hein. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu plus par là que j'ai envie de visiter. J'ai plus de marqueurs disponibles. Ouais, c'était l'enfer ici. Qu'est-ce que j'ai noté là? Ah! Ah bah elle était juste en contrebas. De toute façon, tout est très bas, on est à Ebra, hein, c'est normal. Tout est très profond. Allez, on est en mode racine là depuis tout à l'heure. Ok, c'est complexe, hein, mais ok. Ok, maintenant il faudrait aller par là. Bah là où il y a le trésor en fait. Trésor qui est... Oh! Oh tiens, tiens, tiens. Ah, il coïncide presque, hein. Donc en fait, il y a potentiellement moyen d'amener l'eau dans les profondeurs, ça serait ça la solution? Ça serait ouf si c'est ça. Vas-y, suis les balises bleues et rouges, là. Ok. Faut escalader un peu, hein. Ah, les statues nous indiquent quelque chose. Faites-vous là, vous. Mais t'es un Yiga, toi. Un cul-de-sac. Mais t'es un Yiga. C'est vraiment bizarre, il devait y avoir une chose au bout. Qu'est-ce qui va pas? Ah, toi aussi, tu explores cet endroit. Tu vois cette statue de pierre qui est tombée contre la paroi, là? Les autres statues similaires qui sont disposées en ligne droite indiquent la plupart du temps une mine abandonnée. En revanche, celle-là est un mystère. J'ai fait le tour de la paroi pour vérifier, mais il n'y a rien. On peut quand même pas indiquer quelque chose dans ce mur, si? C'est ce que j'ai cru, je ne vois aucun point d'entrée. Cela dit, grâce à cette statue, je t'ai rencontré toi, le héros. Je vais te tuer. Vous êtes tellement prévisible. Tiens, tiens et tiens. Allez, au revoir.
Donc oui, cette statue, normalement, devrait indiquer une mine. Mais bon, c'est haut. Hein. Oh! Il est sur des roulettes? Eh non, il est pas sur des roulettes, donc il décollera pas. Bon, a priori, je peux passer là. Hein. Normalement, il n'y a rien qui me bloque. Hein. Oui, voilà, je passe juste par ici. En fait, doit y avoir un endroit. Ah, c'est trop bien ça, parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a une grotte qui nous permet d'accéder à un abîme. Parce que toute cette zone-là devrait être isolée. Mais au village des Piaf, c'est étrange quand même. Ouais, c'est pas impossible, hein. Le village y repose sur un énorme rocher, donc. C'est hyper intéressant pour le coup. Bah là-bas, il y a une mine. Ah, c'est déjà éclairé là. Bon, déjà, attends. Moi, j'éclaire ici parce que c'est horrible. C'est quoi là-bas? Ouais, c'est plus ou moins éclairé, quoi. C'est moi qui ai éclairé parce que... Parce que j'ai déjà visité. No panique, no panique, no panique. No panique, j'ai dit! T'as quand même éclairé, c'est bon. Putain, mais putain, mais il attaque direct! Mais oui, alors d'accord. J'avais pas vu qu'il avait. Mais. Ah, mais c'est pas vrai, quoi! Tiens! Tiens! Voilà, c'est bon. Merci d'avoir miné le sonium à ma place. Je prends tout, hein, au passage. Faut-il continuer à acheter des cailloux? Royal. Et toi? Ils étaient trois, hein, quand même, en niveau argent.
Ah, c'est un retardement, ça. Ah oui, il y a du sonium là-haut. Ok, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Il y a Vitorok encore là. Je sais pas qu'on a une petite racine histoire de me. De réparer mes cœurs brisés. Pas Candiga là pour le coup, hein. Plus Candbokoblin. Comment c'est dur là de voir quelque chose. Bravo Link. Sérieux? Oh là là. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Là, ça craint. Je fais de la merde. Par là, oui, c'est, ça a été éclairé par la racine qui se trouve ici. Alors voilà ici. J'ai envie de... Endurance, idiot. Vas-y, vas-y, vas-y. Complète-toi dans le miasme. C'est trop bien. Oh là là, mais quelle chute de mort, quoi. J'avais plus d'endurance, putain. Quel con. Je voulais pas tomber trop bas, mais bon, pff, je me gave là. En même temps, on m'avait prévenu hein, que cette région c'était escarpée, que c'était compliqué.
Mais à ce point quand même. Oh, qu'elle a raciné là. Oh mon dieu. Moi je demande que ça, hein. Juste des racines hein, pour l'instant. Hein. Histoire de progresser. Ah oui d'accord, c'est celle-là. Bah le pire quelque part c'est que je pense que je la voyais depuis l'autre. Mais que j'ai... Je suis parti dans... d'un autre côté de la lave. Alors là... Je ne m'attendais pas à ça. Oh la veine. Veine de miasme. Oh elle est haute celle-là. Oh là là. Oh c'est vilain. Et encore une fois, c'est une des trois sources en question. Hein. Donc il doit y avoir aussi une racine là. Enfin, il y a quelque chose. Il y a un pattern étrange quand même. Oh, celle-là, elle est haute. Hein. Je sens que ça va être galère, là. Je sens qu'on va crever comme un caca. Ah, quoique... Et donc il y a un peu de lave dans le secteur, c'est marrant. Une chute de lave de temps flamme, du coup ça a du sens quelque part. Ah merde. Ah c'est bon. J'avais piqué ça à un boco. C'est marrant. Ok, bon. Cela dit, je pense qu'il faut clairement qu'on aille ici.
Donc c'est bien beau tout ça, mais ça manque de cartographie dans ce coin. On va checker vite fait le village Piaf, parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grotte qui mènerait du coup à une zone secrète dans les profondeurs? Je suis impatient, il faut toujours que je saute, mais ça utilise plus d'endurance que de grimper, donc. J'en ai déçu. Du coup, c'est une mine ici, forcément. Et c'est complètement isolé, hein, donc il n'y avait pas d'autre moyen que de chercher cette grotte. Ça va, elle n'était pas très dure à trouver. Hein. Bon, très content. Est-ce que c'est là où il y a Koga? Et c'est la mine abandonnée des bras, hein, de toute la région, quoi. C'est assez fou. Et ça correspondrait à ce que disait le golem, à savoir, bon, bah, en effet, il faut trouver des grottes. Ah bah le voilà, lui. Donc c'est bien ça. Dis donc, petit... bâtard là. Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Tant que je m'équipe. Après je t'affronte et... Il est en train de méditer. Je t'attendais. C'est terminé. Nous avons enfin assez de cristaux d'énergie Sonao. Nous pouvons enfin l'activer. Notre arme ultime. Notre présent au roi démon. Elle peut enfin renaître. Elle. L'arme. L'histoire se souviendra de ce jour comme celui de la résurrection de notre arme ultime. Et comme celui de la fin du monde. Contemple cette sublime arme ancestrale. La grosse boule. Oh, le golem Sonao. Estime-toi chanceux, Link. Tu seras la première victime de l'arme ultime du gang des Yiga. Ensuite, je m'en irai. Dans les tréfonds du château des rues, là où repose le roi démon. Dans ce qui sera le berceau de la fin des temps. Les profondeurs du château. Ah. Allez, viens à moi si tu l'oses. Cette fois, tu vas mourir. Non.
Ouais, putain, ça se voit, hein. Ah, le manque de respect. D'accord, ça m'a un peu surpris. Donc c'est comme c'est Sonao. Ah, on peut pas du tout le dévier. Voilà. Fais une attaque que je peux te renvoyer là. Ça, j'avoue, je sais pas trop quoi faire avec ça. En fait, le problème de celle-là, c'est qu'elle... Voilà, elle me fait mal. Elle me brise des cœurs quand je l'utilise. Elle fait beaucoup de dégâts. En fait, je sais pas trop quoi faire dans ces cas-là. Je peux le projeter contre les pics, contre les barbelés. Comme par hasard, il va lui rester 1 HP. Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Oh, mon arme. Qui aurait pu croire que mon arme ultime viendrait comme ça? Tu vas me le payer. La seule chose qui me restait à faire, c'était d'offrir cette arme au roi démon et t'as tout gâché. Tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça? Ah!
Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser ma nouvelle technique secrète venue du plus profond des profondeurs. Mais... La fuite. Oh, plein de lanceurs, mon dieu. Tremble, voici le super missile Koga. Ah ouais, putain, t'en es là. À toi de jouer, mon beau missile. Mais ça ne s'est pas censé se passer comme ça. C'est de ta faute, Link. Je m'en souviendrai. Adieu. Et voilà, la quête est terminée. Magnifique. Jeune héros, je vais venir à toi. Un instant, je te prie. T'inquiète, je t'attends. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. Au vu de la situation, je doute que cela se reproduise dans d'autres mines abandonnées. Si toi-même tu veux trouver d'autres mines abandonnées comme celle-ci, cherche donc en dessous des hameaux et lieux distinctifs qui prospèrent à la surface. Aussi étrange que cela puisse paraître, il semble y avoir un lien entre la surface et les profondeurs. N'hésite pas à faire un peu d'exploration à l'occasion. Tu feras peut-être des découvertes intéressantes. Oh, encore une chose avant que tu ne prennes la route. Mon collègue situé là-bas s'occupe de la gestion des gravures d'assemblage. Il t'en fendra une pour lui parler. Oui, oui, oui. Oui, je veux. Je prends mon dû d'abord. Et un diamant brut à 500 balles, dont le prix n'a pas varié, contrairement à d'autres. Donc il y a lui. Visiteur authentifié. Je te souhaite la bienvenue. Cet endroit faisait jadis office de raffinerie et l'on y trouvait de grandes quantités de sonium. Je gère les gravures d'assemblage utilisées dans le cadre d'activités minières. Ah tiens, d'après mes analyses, j'en ai une que tu ne possèdes pas, je vais donc te la donner. La plateforme propulsée, putain, la tronche du truc. Ouais. Et du coup, c'est bien parce qu'elle reste stationnaire une fois que la fusée s'est détachée. Merveilleux. Ah, je suis le joueur de l'année, hein, je vous le dis. Hein. Ah bah oui, bah... Faut attendre qu'il n'y ait plus de batterie, c'est ça? Bon, allez, on s'en fout, on va aller voir le raffineur. Oh. Du sonium. Alors, est-ce que je peux lui acheter pas mal de trucs? Le sonium supérieur, j'en ai vraiment très peu, je pense. Donc ça va être chaud. Là, j'ai assez pour tout acheter. Et ça, bah j'en ai que 3, donc hop. ...159, donc je peux avoir une cellule de batterie, mais une seule. Putain, mais j'ai vraiment pas de bol, quoi. Comment j'ai pu chier à ce point? Oh, le nul! Il y avait un truc, là, sur la cheminée, je suis pari. Ou alors j'en régénère un. Putain.
m'en doutais que ça allait faire un truc du genre, mais pas à ce point, quoi. Je pensais que j'aurais le temps de me décaler un peu. Ah, ça valait le coup. Attends, mais il y a des cristaux là-haut. Oh! Ah, dis donc, hé! On peut trouver des cristaux libres comme ça? Si ça se trouve, faut que j'aille voir les cheminées parce que. Il y a peut-être d'autres cheminées qui ont comme ça des cristaux qui sont sortis. C'est ouf! Ah là là. Pour montrer le zèle avec lequel nous poursuivons nos recherches dans cette zone, nous entendons cette chanson. On illuminera ces terres obscures, du feu qui brûle dans nos cœurs, on n'oubliera pas le jour de notre chute, car scintille en nous l'éclat de la lutte. Passer du soleil à l'obscurité, du sable doré à la terre voûtée, puissant cristal bleu, nous te trouverons, superbe arme ultime, te restaurerons. En avant, Iga, trouver l'arme ultime, longue vie à Koga et à l'arme ultime. D'accord. Et bien voilà. On se quitte dans la mine abandonnée d'Ebra. Donc comme disait le golem, on pourra trouver d'autres lieux sous les villages. Par exemple, sous le village Gerudo, il y a potentiellement... Il y a une mine abandonnée Gerudo, quel con. J'y suis déjà allé en plus. Ben oui, c'est pour ça. Et j'ai pas trouvé de racines. Mais bref, il y a d'autres lieux comme ça à découvrir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, la bise.